Bonjour à tous, vous souvenez-vous de Tom et Jerry? Mais si, rappelez-vous, ce chat déterminé à attraper cette petite souris. Pour ceux que j'ai déjà perdus, Tom c'est le chat et Jerry la souris. Courir était leur activité favorite. Et si les dessins animés qui nous ont bercés étant petits n'auraient jamais vu le jour? Et si Tom ressentait une douleur tellement forte qu'il lui aurait été impossible de courir après Jerry? Mesdames et messieurs, c'est ce qui arrive à nos animaux de compagnie qui souffrent d'arthrose. Non seulement cette maladie provoque de la douleur, mais également une perte de joie qui mène à un mal-être général de l'animal. Laissez-moi vous dire quelques mots sur cette maladie. Le corps vieillit et les articulations aussi. L'articulation est la partie située entre deux os qui permet la réalisation des mouvements, et donc à Tom de marcher. Avec le temps, le cartilage que vous voyez ici en bleu va disparaître. Cette dégradation va empêcher l'articulation de faire son rôle d'amortisseur de choc. C'est l'arthrose. Non seulement cette maladie cause une inflammation, mais va être aussi responsable d'une douleur constante. L'animal souffre de douleurs chroniques. Ce fléau touche 2 chats sur 5, 1 chien sur 4 et aussi 1 personne sur 4. De plus, cette maladie ne se soigne pas. Seule la douleur engendrée peut être soulagée. Malheureusement, les traitements actuels sont inefficaces et provoquent des effets secondaires. C'est pour cela que dans notre laboratoire, nous avons décidé de trouver un traitement ciblé, efficace et sans effets secondaires pour le bien-être de nos animaux et aussi pour que les aventures de Tom et Jerry continuent. Mais pour arriver à ce résultat prometteur, on doit pouvoir comprendre le mécanisme de la douleur causée par l'arthrose. Prenons l'exemple de Tom, tiens. Il souffre d'arthrose. Les voies qui transmettent le message douloureux au cerveau de Tom vont donc libérer des messagers qu'on appelle des neuropeptides. Et d'après nos récentes découvertes, ils vont stimuler le mécanisme de la douleur et l'amplifier. Notre mission est de réduire au silence l'ADN responsable de la production de ces neuropeptides pour bloquer la douleur chronique. Mais comment est-ce possible, diriez-vous ? Mon équipe et moi avons eu l'idée géniale d'élaborer un traitement contre la douleur arthrosique grâce à la thérapie génique. Le principe est simple. Retirer les parties infectieuses d'un virus afin qu'il devienne inoffensif et ne donne pas de maladie, puis l'introduire dans l'animal pour qu'il libère par la suite des outils confectionnés par nos soins qui vont aller chercher dans l'ADN la machine qui produit les neuropeptides. Et une fois cette machine trouvée, la science fait son entrée. Ils vont pouvoir la stopper et donc arrêter la douleur causée par l'arthrose. Et Tom et Jerry courent de nouveau. Mais minute papillon, nous devons tout mettre en place et les résultats suivront dans quelques temps. Pour résumer, l'arthrose est une maladie qui ne se soigne pas. C'est une conséquence du temps. Et même dans les dessins animés, on ne peut pas arrêter le temps. Cette maladie provoque de la douleur. Et malheureusement, les traitements contre cette douleur sont inefficaces. Ce que j'étudie dans mon projet, c'est comment stopper la machinerie génétique qui produit les neuropeptides responsables de la douleur chronique. Et tout ça grâce au virus. Et voilà comment on obtiendra un traitement ciblé et efficace contre la douleur de l'arthrose. Traitement qui sera testé chez les rats, les chats et les chiens. Et qui sait, peut-être un jour chez leurs propriétaires ?